Bonjour les amis du potager, bonjour les France Agritwittos. Alors aujourd'hui, on va planter les tomates. Un petit rempotage des premières tomates. Alors voilà comment elles sont. Là à droite, c'est les marmandes. Et là, quelques Saint-Pierre. Alors voilà comment je procède. C'est pour ça que je les mets une par une. Cela, on voit les racines. Alors j'ai mis un peu de terreau pour pas trop les esquinter. Ça permet qu'elles reprennent mieux. Alors moi j'utilise du terreau de rempotage chez Fertigène parce que j'aime bien. Il y a de l'engrais Osmocote. Osmocote, c'est un engrais qui dure 6 mois. Dans les prochains rempotages, j'utiliserai pas cet engrais. J'utiliserai du terreau de rempotage standard. Mais pour les premières, vu qu'elles vont être plantées que au mois de mai, vers le 20 mai à peu près, faut mieux qu'elles aillent un petit peu d'engrais quand même sur la longueur. Là, on voit bien les petites racines. Alors, je procède ça pour tous les plants de tomates. Faut bien arroser quand même le terreau parce que faut savoir quand même que les plantes elles ont besoin d'eau. Un rempotage c'est pas plus mal. Celles-là vont peut-être être rempotées deux fois. C'est bon, là on est début avril. Elles vont normalement prendre 15-20 cm. Un double rempotage, j'ai vu que ça favorise un bon enracinement. Ce que je ferai, je mettrai ça dans des pots de deux fois plus grands que ceci. Alors un truc que j'aime bien, c'est avoir des pots de différentes couleurs. Là, ça va être les Saint-Pierre qui vont être dedans. Dans ces pots noirs, ça va être les marmandes. Comme ça, je vais pas me tromper. Je vais me noter ça sur mon petit calepin. Et au moins, ça m'évitera... des fois j'ai des piquets qui sont pas de la même longueur. Alors faut mieux pas se tromper parce que les marmandes généralement elles montent à 1,20 m, tandis que les Saint-Pierre elles vont monter à 1,50 m à peu près. Donc faut mieux pas se tromper quand même quand on les plante. Alors un petit achat que j'ai fait hier. J'ai voulu essayer une nouvelle pomme de terre. Je vous ferai un petit suivi. On m'a dit qu'elle était résistante à la maladie. Qu'elle germait pas vite. Là, à cette époque, elle serait pas en germination en plant de pomme de terre. Ça a l'air de ressembler à mes Édennes. Vu comme il m'a parlé, c'est croisé de binch avec une autre variété. De bon rendement. On verra ce que ça donne par rapport aux Éden.
Alors dans la serre, là aujourd'hui, il fait 20 degrés ce matin, là, on est 11h30. Vous voyez, les feuilles de chêne, depuis la semaine dernière, elles ont bien poussé. Là, je suis content, parce que je sais pas si on va bien le voir là sur la vidéo, mais là, il y a des sucrines, en fait, qui sont nées. Alors, je vous ai pas montré le semis la semaine dernière. Faut les semer environ à 1 cm, parce que c'est des petites graines quand même, les sucrines. C'est comme les tubes Batavia. Faut vraiment une couche fine de terre. Bon, les carottes, elles sont pas encore nées. Bon, là, je vois qu'il y a de la mauvaise herbe. Elle est plus rapide que nous. Bon, les carottes, elles, il faut environ 14 jours normalement. Allez, je vais essayer de finir de planter les tomates avant de manger. N'abusez pas trop sur les chocolats quand même, les amis. C'est au risque d'avoir une crise de foie. Allez, salut. Je vais faire normalement le petit tour de plaine ce soir. Là, ça fait un beau temps. Allez, salut. Bonjour à tous. On est parti faire le tour du potager quand même. Allez, on y va. Alors, on va commencer par la haie. C'est une haie de troène et de cornouiller que j'ai plantée il y a 6 ans maintenant. J'ai récupéré des boutures dans les forêts. Et là, bon, ça a pris une bonne taille. Alors, après, mon petit parterre de fleurs là. Il y a un peu de tout, des fleurs pour les coccinelles, pour les oiseaux. Il doit y avoir des soucis. Peut-être quelques bourraches. Alors après, là je vois les oignons qui commencent à sortir. Ils sont pas trop mal. J'en ai fait un rang de 20 mètres de long et un autre qui doit faire 18. Alors après à côté, j'ai pas encore repris. C'est prévu pour les courgettes.